Bonsoir, bienvenue sur Radio Animal, Radio Jeune, la radio dynamique, la radio très sympa. Et on fait un petit coucou aux jumeaux de René et Céline hein, qui viennent d'arriver sur Terre. Bienvenue les petits, bon courage aux parents, je dirais surtout bon courage aux nounous qui après tout vont se taper quand même un peu, je dirais, tout le boulot. Mais je ne leur jette pas la pierre, hein, car moi la première, je fais appel à ce genre de service. Hein, puisque voilà 4 ans de ça, maintenant, une petite espagnole est entrée dans ma vie, Lola. Hein. Heureusement, un couple d'amis m'a conseillé une véritable perle, hein, une incarnation, un cas pour les intimes, hein, une colombe qui a quitté, je dirais, femme et enfant hein, pour venir gagner sa croûte en Europe et qui, bon, bah, évidemment, n'a pas de papier, hein, mais c'est presque un pléonasme que de le préciser. Ce qui est important, c'est que Lola l'a tout de suite adoré. Hein, et puis, un cas a une vraie qualité, c'est qu'elle ne parle qu'espagnol. Et ça, moi, j'y tenais beaucoup, hein, parce que c'est vrai que tous les ouvrages s'accordent à dire que le berger catalan a vraiment besoin d'un lien fort avec ses origines. Donc, bah, cette émission réussie. Malheureusement, bah, le conte de fées n'a pas duré, hein, parce que très rapidement, je dirais, au bout de 2-3 ans, j'ai senti qu'un cas dépérissait. Donc, on en a parlé. Je lui dis un cas, qu'est-ce qui va pas? Elle me dit mes enfants me manquent. Je lui dis bah tes enfants te manquent, mais ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Elle me dit 8 ans. Je lui dis enfin un cas, ça n'a pas de sens. Je veux dire ton petit dernier à l'âge d'être en prison, il faut que tu trouves une solution, que tu rentres quoi. Je sais pas, faut réfléchir. Hein, le commerce équitable est en plein boom. Innove quoi, plutôt que de, je dirais, d'exporter du café, lance-toi dans la cocaïne bio par exemple. Il y a probablement un marché à trouver. Hein, il faut faire des études évidemment. Tête de mule comme elle est, elle a rien voulu entendre. Et bon. Ce qui devait arriver arriva, hein. J'ai été obligée de la dénoncer. Hein. Donc Lola l'a très mal vécu, hein. Elle s'est mise à grogner, à me mordre les canapés, tout ça. Donc bon, bah, j'ai été obligée de la faire piquer. Donc tout ça pour vous dire que les nounous, hein, attention, hein, à vouloir aider, hein, parfois hein, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Bon allez, assez parlé entre aides, on se quitte en musique, je vous dis à très vite. Restez jeunes, restez libres, restez en forme, c'est Radio Animal, Radio Jeune, dynamique, très sympa, bye.